Salut, c'est Ludo. Tu ne me connais peut-être pas, mais j'adore pédaler et me surpasser. Pour cela, je pratique le vélo de route avec un Trek Emonda SL5 cadre carbone, un mountain bike Megamo R120 SRAM AXS cadre carbone et un Gravel Canyon Grizzle version Trail cadre aluminium. C'est avec ce dernier que je vais participer à un stage gravel ce week-end. Ce stage est organisé par la marque Pédaleur en association avec les terrasses du lac situées à Naussac en Lozère. Si tu ne connais pas la boxe Pédaleur ou que tu souhaites découvrir les terrasses du lac, je t'invite à retrouver tous les liens en description de cette vidéo. Ce stage gravel est ouvert à toutes et à tous, quel que soit le niveau. D'ailleurs, Séverine participe également à ce stage. Ce stage se déroule sur 4 jours. Et je te propose de vivre cette expérience avec nous à travers cette vidéo. C'est parti. Du coup, on va faire attention, surtout qu'on va partir face au vent. Oh, on va l'avoir dans le dos. Donc, on prend de l'espace, que ce soit sur la route, on va faire un peu de route au départ, et surtout dans les chemins. On ne connaît pas encore vos niveaux, personne ne connaît le niveau de la personne à côté. Ça va glisser forcément vu qu'il a plu depuis 3 jours, en fait, hein, pas se mentir. Benjamin sera devant, Max et moi, on va prendre un peu le milieu derrière. Et il y a aussi Nicolas qui est avec nous, qui est là aussi pour nous aider. Donc on est quatre avec nous, c'est cool. Voilà, donc prudence avec le vent. Il y a un petit côté vosgien par ici qui est très très sympa. On a également aussi parfois l'impression d'être dans les Ardennes belges. La vue sur le lac là-bas au fond, très très chouette. Pour l'instant, on a ordre donc de rester à distance avec le vent. Comme ça peut nous déporter vraiment très fort. Faut être un peu fou pour faire du vélo de ce temps-là. Mais je dois bien avouer qu'on aime ça quand même. On est un petit peu fou. C'est un tour du lac normalement tranquille, mais avec cette météo et ce vent surtout, je suis pas certain que ça soit si tranquille que ça. Ça valait le coup de faire 8 heures de route pour se dépayser totalement. Très très chouette. À fond, à fond, à fond, accélère, 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 voilà, encore, 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 super, bien, bien joué. Ça passe. Là, je suis impressionné par Séverine, là. Jamais elle serait passée là-dedans d'habitude. Et là, elle l'a fait, c'est incroyable. Je suis très fier d'elle. Ouais, c'est sympa, très très sympa, très joli. Superbe trace, franchement un régal. On a pris au départ, comme tu as vu, le macadam, mais après c'est du 5 étoiles. Impeccable. Ouais, c'est super beau là. Il y a une vue sur le lac là-bas au loin qui est magnifique. Alors si tu cherches un stage gravel pour te perfectionner, pour te lancer, je pense que c'est le bon endroit. Honnêtement, première sortie, un régal. Les accompagnants sont là pour t'aider, pour te conseiller. Donc là, écoute, on est sur les vélos et déjà l'impression est géniale. Et après, donc, on a des conférences, on a des moments d'échange, du partage, de la convivialité. Les repas sont inclus dans le forfait. Donc c'est vraiment du tout compris, c'est génial. Le cadre, même le cadre du paysage est top. Et c'est pareil pour la restauration et l'hôtel. C'est magnifique. Je te relaisse parce que là, je suis en descente, il y a du vent et c'est dangereux. De la belle piste de gravel.
Ouais, c'est super beau. Je voulais te montrer aussi que j'ai changé mon guidon d'origine pour un Ritchie Beacon BB Comp Black en 44. Guidoline aussi changée avec un look un peu plus gravel is mine. J'ai également la tenue qui va avec aujourd'hui. Le plaisir de la nature. Le champ du gravier. Une région à découvrir, je ne connaissais pas du tout la Lozère. Il y a la Lozérienne VTT qui est organisée ici dans le secteur. Alors on vous a vendu du rêve, est-ce que tu rêves aujourd'hui? Bah c'est un rêve épique, avec pas... le vent, la pluie. Ah ouais, ouais, c'est l'aventure. C'est ça. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a un bateau juste ici en plein milieu de nulle part. Incroyable. Il y a du son volé du lac, j'en sais rien du tout. La folie. Ça brûle les cuisses. Parfait ça. Machina. Waouh. Retour vent de face. La plage. Ouais, la plage, la Bretagne, les Azures. Ouais, c'est ça, Cap Breton. Quasi, là. Quasi, ouais. Aux terrasses du lac avec la vue sur le lac bien sûr. Et merci de m'avoir fait rouler cet été en pleine tempête dans le sud. Ah bah tu vois, voilà. Ça m'a aidé. Ah c'est clair. On apprend au fur et à mesure de ses sorties. Voilà, je te présente la chambre sans filtre, la douche, le petit lavabo qui va bien dans la chambre, de quoi ranger ses affaires. La déco est très très belle, très très chouette. On a en plus un petit cadeau quand on arrive. Ça, je pense que ça va être vraiment utile. C'est un Haas Servers. Et en plus, tu as vu, c'est marqué pédaleur. On a une gourde isotherme aussi dans la box. Haute performance, ah, chain cleaner, ok. On a de quoi manger. Bar, ok, multifruit, punch power, feed, énergie shot, cacahuète, nickel. La petite fiole de chain wax. Et là, on peut avoir 10 euros de remise sur la première box avec le code pédaleur24. On est soigné, le petit sticker qui va bien. Lâcher les watts, c'est exactement ça. Bon bah c'est cool, voilà, écoute, un superbe cadeau quand on rentre dans sa chambre. Et nous on va te laisser ici pour aller à la réunion d'accueil. Durant cette réunion, on s'est présenté les uns après les autres. Bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Noémie, j'ai 24 ans et je viens de Nantes. Et ensuite, nous sommes allés dîner tous ensemble. Séverine et moi étions tellement fatigués de nos 8 heures de route et d'avoir pris le grand air sur le vélo juste après notre arrivée. Alors nous avons décidé de zapper la conférence du soir pour un sommeil récupérateur afin d'être en forme pour la journée de demain. Mais ça, c'est une autre histoire.